Blouche, allez, petit épisode des haters du net. C'est étonnant que vous suiviez la F1 alors que c'est des moteurs thermiques. Vous attaquez et vous dénigrez tellement de fois les voitures électriques sur votre chaîne Electib. Et là, vous suivez la F1. Je suis franchement étonné, nous déclare Blouche, alias GT10, sur TibF1. Alors, la vidéo, c'était la haine entre Red Bull et Mercedes. Aucun rapport, mais bon. Le pire, c'est que ce mec, je m'étais déjà pris la tête il y a 7-8 mois avec lui. Je lui ai déjà répondu. Il avait dit la même chose sur une autre vidéo. Et bon, il n'avait pas répondu après. Et là, il remet le couvert sur une autre vidéo. Mais enfin, tu es complètement fou en fait. Pourquoi tu fais ça, Blouche? Quel est ton projet dans la vie? Corentin qui a répondu. Alors, Blouche qui répond. Ça, c'est un autre sujet, le carbone, etc. Moi, je parle de cette personne qui dénigre constamment les thermiques sur sa chaîne Electib, alors qu'il suit. En majuscule, hein, alors qu'il suit la F1. Il y a des moteurs thermiques. Au moins, évidemment, avec mon calme légendaire dans les commentaires. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Je suis la F1 depuis tout petit. Je n'avais pas renié le sport, tout ça parce que je suis devenu pro électrique. En plus, la F1 va de plus en plus vers l'électrique. Donc. Messieurs, ne soyez pas aussi mal polis. Maintenant, la vérité doit être dite. Vous critiquez les véhicules thermiques constamment sur votre chaîne Electib. Et puis après, vous suivez la F1. Ce n'est pas cohérent. La F1 n'est pas encore 100% électrique. Vous êtes un menteur vis-à-vis des spectateurs qui vous suivent. Ou alors il y a une solution. Apprenez, monsieur, à respecter que d'autres. Personne n'a des goûts différents du vôtre. Ne faites pas des atteintes au goût des gens. Respectez, monsieur les gens. Respectez, monsieur les gens. D'accord. Tout à fait, blouche-blouche. Tout à fait. Mais tu sais, mon petit blouche-blouche. Enfin, mon vieux blouche-blouche, hein, vu comment il écrit, je pense qu'il aura 70-80 à peu près. Le boomer blouche-blouche. Je suis pas le seul à aimer à être possesseur de voitures électriques et d'aimer la Formule 1. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une voiture électrique, qui aiment les voitures électriques et qui aiment aussi la Formule 1. Les deux sont compatibles en fait, d'accord? Donc selon ta logique, je devrais arrêter de regarder la F1 et regarder la Formule 2, quoi. Que ça. C'est quoi cet esprit étriqué dont tu fais preuve? C'est insupportable quand même, Blouche. Enfin. C'est quoi ce discours de boomer 2000? Tu as quel âge toi? 80 ans, non? Donc selon toi, on ne peut pas aimer à la fois la F1 et s'intéresser aux voitures électriques en même temps? La vérité doit être dite. Mort de rire, comme si je cachais la vérité en mode complot, alors que tout le monde sait que je suis fan de voitures électriques. Hein. Bon bref, après je l'insulte avec violence. En plus, tu auras d'autres, je viens de voir que tu avais posté la même chose il y a 8 mois. Alzheimer te guette. Monsieur, la vérité blesse, je peux comprendre. Ah oui, je suis tellement blessé. Oh. Je vais pas m'en remettre, franchement. Je vais même arrêter ma chaîne TibF1 et TibF1 Mercedes News. Là, mais dans la seconde, tu m'as ouvert les yeux, blouche-blouche. Crétin, putain. Mais vous devez apprendre aussi à respecter les avis des autres et sans cesse critiquer leurs choix, alors arrêtez de critiquer. C'est à cause de personnes comme vous, des pro-électriques, sans aucun respect, qu'il y a des antithermiques. C'est aussi à cause des pro-thermiques qu'il y a des anti-électriques, alors que les deux technologies, à leur façon, sont excellentes. Non. La technologie des voitures thermiques n'est pas excellente. Loin de là. Après, t'exagères, Blouche. Je ne fais pas non plus que critiquer les voitures thermiques dans Electib. Je parle de voitures électriques en général. Je mets pas attaquer aux voitures thermiques dans toutes mes vidéos sur cette chaîne. Faut arrêter. Tu exagères, là, quand même. Eh bien, mon Blouche, si ça te plaît pas, si tu trouves pas ça cohérent, ma foi, t'arrêtes de me suivre. Et puis, l'affaire est réglée, hein. Mais de là à dire que je mens aux viewers, que je les mène en bateau, je ne sais pas quoi, faut que t'arrêtes tes délires. Hein. Qu'est-ce qui s'en branle, mes viewers? Que j'aime les voitures électriques, du moment que je continue de parler de F1. Ils sont là pour que je parle de F1. C'est ce que je fais sur cette chaîne. Donc, que j'aime les voitures électriques ou pas, et je pense qu'ils s'en foutent. Hein. Vous avez pas mieux à faire, les gars, quand même, que d'aller commenter ça, de chercher la petite bête comme ça. Vous savez que je réagis au quart de tour en plus. Mais bizarrement, je t'ai pas vu commenter, toi, sur Electib. Hein. Alors vas-y, va commenter là-bas aussi. Parle-nous de tes voitures électriques, vu que tu en as apparemment. C'est ce que t'avais dit dans le précédent commentaire, il y a 8 mois. Donc vas-y, va commenter. Et arrête de me casser les couilles!